Nagami Games, une chaîne que je recommande. Hola tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui on se retrouve non pas sur un live commentary. Ah oui, je sais que vous aimez beaucoup les live commentary, mais je peux pas en produire autant qu'un... qu'un chinois qui bouffe du riz. Voilà, la blague de merde est passée. Pouh, personne n'a rien vu. Écoutez, toujours avec la bonne humeur, je vous retrouve pour une vidéo assez courte, mais non des moins importantes. Je sais pas si c'est français, mais je vais vous dire que la vidéo est à la fois courte et à la fois très importante. Pourquoi ? Bah, vous l'aurez vu dans le titre, hein, ça concerne ma chaîne par rapport à la rentrée. Au passage, par rapport à la rentrée, j'espère que la vôtre s'est bien passée. Pour ma part, la mienne, ça a été un petit peu la galère, dans la mesure où on a passé une demi-heure à déchiffrer l'emploi du temps, hein, les emplois du temps provisoires. Je pense que vous savez autant que moi que c'est un truc bien casse-couille. Il faut pas trop se réjouir d'avance, parce qu'en général, le deuxième, voire le troisième emploi du temps, c'est l'emploi du temps où on pleure. Voilà, bon, je suis pas trop mal tombé. Enfin bref, petit aparté fini par rapport à ma rentrée. En somme, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée pour la vôtre. Aujourd'hui, une vidéo importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la rentrée. Je m'explique. En fait, vous le savez peut-être pas. Enfin, à part ceux qui me suivent sur Twitter, qui sont vraiment au courant de ce que je fais H24, j'ai des parents vachement stricts, vachement sévères par rapport à l'éducation. Le reste, ça va, mais l'éducation, franchement, les cours, etc., c'est vraiment quelque chose qui prennent vraiment au sérieux. Ce que je conçois parfaitement, hein, honnêtement. Et ce qui fait que, bah, par rapport à la production de mes vidéos, par rapport au montage, enregistrement, etc., le rythme de production de vidéos sur ma chaîne va, je vais pas dire fortement diminuer, mais va diminuer quand même de manière assez visible, conséquente, enfin bref, j'arrive pas à trouver le mot. Ce que je sous-entends par là, c'est qu'en fait, les seuls moments où j'aurai accès à l'ordinateur, par rapport à YouTube, hein, si c'est pour checker des mails, faire des recherches, etc., je peux y aller vraiment quand je veux, mais par rapport à tout ce qui est enregistrement, etc., ce sera uniquement le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, pour faire l'enregistrement et le montage. Et de plus, ce qui fait que le week-end, ça fait pas beaucoup de jours. Faut ajouter à cela que le week-end, parfois, faudrait que je rattrape parfois des cours, parce que la terminale, surtout S, c'est pas forcément évident aux premiers abords. Il y a aussi le fait que j'ai des activités extrascolaires, que peut-être parfois j'aurais envie de m'oxygéner l'esprit parce que ça m'aurait gonflé un tout petit peu. Et ce qui fait que, voilà quoi, le rythme de vidéo va pas mal diminuer. Non loin de moi, honnêtement, je vous le dis très franchement, non loin de moi de mettre YouTube de côté, mais alors là, pas du tout, vous faites totalement fausse route plutôt, dans la mesure où j'adore YouTube. YouTube pour moi c'est un loisir comme un autre, j'aime vous divertir, j'aime produire des vidéos, j'aime enregistrer, je compte même pas les heures quand je suis sur Sony Vegas à faire les montages, etc. C'est un vrai loisir quoi, c'est comme faire de l'escalade, jouer au football, faire du basket, ce genre de trucs là. Bah moi c'est YouTube, voilà. C'est quelque chose auquel je prends toujours autant le plaisir à faire. Je sais que ça vous divertit, moi j'y prends goût à chaque fois que je lis vos commentaires, que je vois vos pouces, que vous participez activement à ma chaîne. Bah moi ça me fait super plaisir quoi de lire tout ça. Et tous les jours bah c'est j'ai un nouveau commentaire de telle personne. Oh il dit ça, bah c'est génial, ça pourrait être sympa pour les critiques. Pour vous dire, je suis vraiment pour vous dire, ouais, il y a tellement de raisons qui font que je ne peux pas abandonner YouTube, qui fait que bah je n'abandonnerai pas YouTube. La plus grosse étant bien évidemment que je suis en pleine voie pour devenir partenaire. Je dis pas que ça va arriver d'ici le demain, hein. C'est juste que plus le nombre de mes abonnés augmente, plus on va dire que j'atteins un large public, plus je peux toucher éventuellement des gens et plus je me ferai connaître quoi. Et rien que pour ça, rien que pour pouvoir mettre des vignettes sur mes vidéos, parce que oui, c'est pour ça que je veux devenir partenaire YouTube, c'est pour mettre des vignettes sur mes vidéos pour que vous ayez envie de cliquer dessus, je vais continuer, surtout que c'est un travail que je ne lâche pas. Et voilà, j'ai envie de me dire que durant toute l'année scolaire, quand je vais lire un commentaire, hey, salut Nagami, écoute, je rentre des cours et je suis vraiment fatigué, j'adore me détendre et rigoler sur tes vidéos parce que tu as l'air trop débile. Ha 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 ha, lol. Oui, bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, c'est vraiment le genre de commentaire qu'un jour j'aimerais bien lire et tout
Pour que je sois pour vous une vraie source de divertissement, bien que je le suis déjà en quelque sorte, que je devienne une vraie source de divertissement et qu'un jour je pourrais divertir autant de monde que des grands youtubeurs tels que Monsieur le P12, Gotaga, Diablo X9, Beast Mode 3 et ce genre de grands youtubeurs, j'aimerais faire partie de l'un d'entre eux et tout ça, encore une fois, ne peut pas se faire sans vous. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour être maintenant 775 sur ma chaîne, c'est juste incroyable. Je regarde si je ne parle pas trop, ça va, je suis à 6 minutes d'enregistrement. Je vais couper la vidéo de manière assez brève et je vais synthétiser en disant que bah, ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Dans la mesure où je continuerai toujours à vous produire des vidéos. Après, si vous avez envie, je vous en empêche pas, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas moi qui vais prendre votre main et faire attention, ne désabonne pas, Nagami. Et voilà quoi, YouTube, non, c'est quelque chose que je n'oublie pas par rapport à la rentrée, bien évidemment. La fréquence de mes vidéos, ce sera une vidéo à deux vidéos par semaine. Voilà, je le répète encore une fois. Deux petits apartés, juste avant la fin de la vidéo, vous aurez remarqué que, première aparté, vous aurez remarqué que la qualité sonore est absolument excellente. Non, elle n'est pas excellente, mais elle est mieux que la qualité du micro de l'iPhone pour la simple et bonne raison que je me suis acheté ceci. Voilà. Ceci, c'est le Zoom H1. Ceux qui sont sur Facebook et sur mon Twitter peuvent, enfin le savent déjà en fait que j'avais eu ce micro assez dernièrement. Je suis vachement content de mon investissement. J'espère qu'il pourra vraiment me servir pour plus tard, notamment pour la Japan Expo et le Paris Games Week. Donc j'ai hâte d'y être et je vous assure que j'y serai. Et puis, deuxième petit aparté par rapport à cette fois à mon graphiste personnel, The Splinter 077. Il avait déjà posté une vidéo sur ma chaîne et moi j'en avais déjà posté une sur la sienne, mais il a malencontreusement dû. Enfin, il va pas fermer sa chaîne, mais c'est-à-dire qu'il va passer plutôt en mode passif. C'est-à-dire qu'il a posté une vidéo qui a eu un strike. Un strike, c'est un avertissement sur YouTube qui fait qu'il ne pourra jamais devenir partenaire. Pourquoi il voudrait devenir partenaire? C'est tout simplement pour pouvoir. De devenir graphiste de plusieurs personnes pour faire des vignettes pour les vidéos, pour faire les bannières. Vous savez, quand on devient partenaire, il y a une petite bannière qui s'affiche au-dessus du truc de la chaîne, ce qui fait qu'on pourra y insérer des liens, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il aimerait s'exercer, mais qu'il ne peut pas, du moins qu'il ne peut plus maintenant. C'est pourquoi il a réouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle X Splint HD, qui sera en annotation et aussi dans la description pour que vous pourrez le voir, vous pourrez lui demander des introductions, des backgrounds, des logos, etc. Parce que c'est lui qui a fait tout ce qu'il a fait sur ma chaîne, ni graphiquement parlant, hein. Croyez-moi qu'il fait du bon boulot, il n'est qu'en seconde, c'est un jeune talent. Pour moi, je dis, ouais, je te crois en toi, Robin, si, aïe, la famille, t'as vu. Et puis, bah voilà pour les deux petits apartés. Écoutez. C'était une vidéo qui était censée être courte et qui finalement sera longue. J'espère que vous avez. Bah, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour ceux qui ont eu le courage de la regarder jusqu'au bout. Voilà, je pense avoir tout dit, mais encore une fois pour me répéter, YouTube, I love you, mes abonnés, I love you. Mon Twitter, si vous voulez me poser des questions, eh ben n'hésitez pas parce que je suis génération 2012, donc. Texto, Facebook, Twitter, t'as vu, moi je suis tout le temps dessus. Et aussi par rapport à mon Facebook, si jamais vous voulez être dessus par rapport à, et participer à mes sondages, mais répondre à mes questions que je pose en général à la globalité de mes abonnés, nous sommes maintenant plus de 50 sur Facebook, nous sommes plus de 90 sur mon Twitter et plus de 776 à l'heure d'aujourd'hui, si je me trompe pas, sur ma chaîne Nagami Games. Je suis pas du genre à compter, mais à chaque fois qu'on me dit ouais, t'as combien de trucs et que je regarde, j'arrive tout simplement pas à y croire quoi. Encore une fois, un grand merci à vous. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai dit mot merci. Pour ceux qui se sont amusés à le compter, bah, faites-le moi part dans les commentaires. N'oubliez pas le traditionnel pouce direction vers le haut, hein, vers le sky. Ce serait bien, ce serait sympa plutôt que vers la direction de Satan, de Hell. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens. Portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Mangez des nems.